Les mimes ont un talent fou. Je les adore. Les mimes sont des gens qui n'hésitent pas à s'oublier pour être un autre. Je voulais vous dire que quelquefois on dit qu'un artiste sait tout faire. Combien de fois j'ai entendu cela? Il sait tout faire, il sait tout faire. Un mime sait tout faire. Mais un mime ne peut pas tout faire. Un jour, je devais mimer quelqu'un qui n'a rien à faire. Eh bien, j'ai rien pu faire. Parce que ne rien faire, ça peut se dire, mais ça ne peut pas se faire. Et de plus, je ne pouvais pas dire que je ne pouvais pas le faire. Parce que le personnage qui n'avait rien à faire, en plus, n'avait rien à dire. Et le directeur m'avait bien spécifié, m'avait bien dit, surtout, pensez bien à ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, en fait, ne pensez à rien. Et il avait ajouté, surtout, ne dites pas. Alors, je vais donner ma parole de mime, que je ne dirai rien. Je suis entré sur scène comme ça. J'ai commencé à ne rien faire. Sans rien dire. Ça n'a l'air de rien, mais il faut le faire. Il ne suffit pas de le dire. Paradoxalement, plus je ne faisais rien, plus les gens disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que le public n'est pas fou. Vous voyez bien que je faisais quelque chose. Mais comme c'était rien, ils se demandaient ce que j'étais venu faire. Et les critiques dans la salle voyaient bien que je ne faisais rien, et que je faisais bien. Mais ils s'attendaient à plus. Mais moi, déjà, qui ne faisais rien, je ne pouvais pas en faire moins. Alors les gens dans la salle, qui eux ne voyaient rien, ont commencé à redire. Vous pourrez au moins faire un geste, voire un bon mouvement. Alors moi, voyons, j'ai fait le seul geste que pouvait se permettre quelqu'un qui n'a rien à faire, sans qu'on dise qu'il en fasse trop. J'ai fait un geste tout impuissant. J'ai fait... Alors les gens, qu'est-ce qu'il dit? Alors là, c'était trop. J'ai rompu silence. J'ai dit, mais, mesdames et messieurs, mais je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'avais dit là? Le directeur, Ringo! Non seulement je paye un mime à ne rien faire, et il ne le fait pas, mais en plus, il ne tient pas ses paroles. Bah! Et il a acheté, monsieur, vous n'êtes même pas moi. Alors, le lendemain, dans la presse, quand on dit les critiques, eh bien, comme je n'avais rien fait, ils n'ont rien dit, mais en bien. Bravo.